Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Age of Origins, AOO pour les intimes de son petit nom. Oui, ça a changé de nom, ce n'est plus AOZ, mais AOO, j'en l'expliquais dans une vidéo précédente, si vous l'avez raté les amis, n'hésitez pas à aller la voir. Et pour ne rater aucune vidéo, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le deuxième lien en description de toutes les vidéos. Le premier lien, c'est encore plus simple, c'est pour télécharger le jeu AO. Si vous ne l'avez pas encore essayé, foncez l'essayer. Le mode Tower Defense est énormissime. Et sur le Discord, c'est le deuxième lien. Donc on est plus de 2500, n'hésitez pas à nous rejoindre les amis. On va reparler Tower Defense et on va se faire une petite ouverture. Avant cela, le Tower Defense 17, c'est impossible. J'ai beau tout essayer, je ne passe pas les deux étoiles. Faisons une ouverture avant de se pencher sur ce mode de Tower Defense. Alors, j'ai gardé un petit stock pour voir. On pourra comparer. Vous me ferez part, vous, de vos ouvertures. Regardez, j'ai un stock de 71 recrutements d'élite. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a le 10e gratuit. Ça nous coûte que 9, j'espère qu'on va avoir du lourd. On ouvre tout de suite. Est-ce que je vais en ouvrir 10? Oui, bien sûr. Bon, pour le moment, c'est tout naze. Collecte de pétrole, c'est pas mal du tout. J'ai un nouveau commandant en entier, un Brave Star, très bien, x1. Donc ça, c'est un bon tirage, c'est pas une pièce. J'ai aussi un livre d'expérience, pas mal pour le moment. On repart sur un deuxième x10. Allez, sors-nous tout d'un coup. Qu'est-ce qu'on a? De l'XP, pas mal du tout. De la collecte d'acier aussi, on prend. Fragment de Cathy, on prend également. Bon, c'est pas un tirage de ouf celui-là. On recommence celui-là. Celui-là, Alexandra en complet, très bien. Ça va me permettre de l'upgrader. Des livres d'XP aussi, je prends aussi. Donc pour le moment, ça va. Je suis pas trop mécontent de mes tirages. Celui-là, 1 sur 2. Vous avez vu, il y en a 1 sur 2 qui est bien, 1 sur 2 qui est tout naze. Donc celui-là est tout naze. Il m'en reste 35. Allez, hop, on accélère. Celui-là, x8, bon, fragment du professeur Gray. Donc pas mal, ce tirage pas mal. Fragment expert de distance. On prend aussi, mais j'en ai pas beaucoup pour le moment de celui-là. Fragment d'Alexandra, mais que x1, 7 fois. C'est qu'une pièce. Il m'en reste encore 2 possibles. Bravo, nouveau commandant Molos. Bon, c'est pas un commandant de ouf. Mais D6, oui, je suis content d'avoir mes D6 x8. Très, très propre. On va pouvoir l'upgrader. Et j'en ai plus que 8. Je ne peux pas refaire un tirage. Alors, ça nous permet de faire quoi? Non, je ne voulais pas aller là-dessus. Voilà, les officiers, on va pouvoir étoiler. Je vais pouvoir étoiler mon ami Midi 6, comme je le souhaitais. Hop là, voilà, on le passe niveau 13, une étoile. On va encore l'étoiler tranquillement. Niveau 13, 2 étoiles. Et on peut encore le monter qu'une fois normalement. Et c'est terminé. Voilà, je n'ai plus suffisamment de fragments. À présent, on peut l'améliorer évidemment. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, Grey, je vais pouvoir l'upgrader également, le petit Grey, même l'étoiler, tac. Non, l'étoile, il était que niveau 1 d'ailleurs, il était que niveau 1. Il n'avait pas d'étoile du tout. Là, ça m'a permis de le monter 2 fois. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y en a d'autres. Je les finirai plus tard, j'en ai pas mal. Vous voyez, je fais quand même un bon tirage au final. Ça me permet de pas mal monter cet commandant. Et j'ai même ce nouveau commandant que je n'avais pas. Ninja Oko, je ne connaissais même pas. Du coup, on la fusionne, on la récupère. C'est la seule nouveau commandant que j'ai. On va tout de suite foncer. Et regardez, j'ai passé le million de points. J'ai galéré, mais oui, je suis à 1 146 000 points. Très propre, c'était long. Hop là, vous voyez, je n'ai même pas encore fini toutes les quêtes. Il faut que je fasse une exposition de runes, Action Academy. Il faudra que je le fasse. Les quêtes, je n'ai pas beaucoup avancé depuis le début. Il faudra que je m'y penche. Allons donc sur la guerre classique. Et comme vous le voyez, les amis, je suis bloqué. Ce niveau 17, 2 étoiles. J'arrive pas à faire 3 étoiles. Peut-être un jour, je vais réussir. Mais pour le moment, j'arrive pas. Pourtant, là, j'ai mis bataille alors que je voulais pas. On ressort. Ok. Pourtant, regardez, j'ai bien augmenté. Plus 20% en dégâts de tour mitrailleuse. Plus 15%. En tourelle roquette, plus 20 en puissance techno, c'est là que ça n'a pas bougé. Et plus 25 en laser. Pourtant, ça ne passe pas. Mais on va quand même tenter, ensemble aujourd'hui pour la première fois, le niveau 18. Comme d'habitude, si vous avez des tips, laser niveau 5, si vous avez des tips, des astuces, n'importe quoi pour ce niveau, je n'ai rien lu pour le moment dessus. Donc regardons comment il se déroule. Où est l'arrivée? L'arrivée est là. C'est simple. Ensuite, ça sort de 3 endroits. D'abord 4 endroits.
en frontal, 5 en droit, sur le côté là, sur le côté en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche. Ça va donc être très tendu. Ce niveau-là, il a l'air très chaud. On en a déjà fait un qui ressemblait à ça et je me souviens plus comment on l'avait contré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir mettre des ralentisseurs à mort. Ah, je me rappelle, on avait mis des ralentisseurs ici sur les deux côtés pour le passer. J'avais mis des ralentisseurs ici pour le passer. On va tout de suite mettre du niveau 3 et je vais blinder de tourelles. Hein. Je vais les passer en niveau 3 également. Tac, tac. Je pourrais même les mettre en niveau 4 tout de suite, mais je veux aussi mettre des lance-roquettes qui vont tabasser la masse. Hein. Donc, comme je veux mettre des lance-roquettes, je monte pas trop haut. Voilà, voilà. Et je devrais pouvoir en monter un niveau 4. Mais c'est tout. Et je voudrais des lasers. Ici aussi, j'ai pas assez. Voilà. C'est parti pour ce premier essai. On va voir ce que ça donne. Encore une fois. Hein. Sauf si j'arrive à le passer directement comme un boss. Hein, ce qui m'étonnerait. Eh bien, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou venir sur le Discord. Me donner vos conseils. Les lance-roquettes font le job. Ça manque de tourelles qui ralentissent hein, quand même. Pour que les lance-roquettes fassent parfaitement leur job. Il va donc falloir que j'augmente la portée des tourelles laser. Peut-être j'aurais dû les inverser et les mettre au centre. Hein. Ça toucherait plus largement encore au nord. Il va falloir que je démonte hein, ces tourelles. Parce que sinon, je vais galérer. Il faut vraiment, vraiment que ça ralentisse très, très grandement. Il faut que je monte les lasers aussi. Je suis un petit peu en galère là. J'ai peur que ça... Regardez, ça commence déjà à passer. Il y en a un qui est presque passé là. Hein. Il a fait du dommage. Il va falloir que je mette plus de lasers là-haut. Forcément, regardez, il y a des élites qui essayent de passer. Donc, il va me falloir des lasers. Il n'est pas passé, mais ça ne s'est pas joué à grand-chose hein, qui passe. Hein. On va aussi mettre du laser là. On continue d'upgrader. Je vais mettre des lasers ici. Ici, c'était plutôt... la bonne planque, ça permet de shooter partout. Mais vous voyez, il ne le tape plus. Il ne le tape plus et celui-là, il passe. C'est pas possible, tu peux pas passer. Non, 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 non. Eh bien, le premier est passé. Voilà, j'ai déjà perdu 4 points. Très, très chaud. Il va falloir que je revoie ma stratégie là, clairement. Bon, on va plutôt upgrader ceux-là. On va voir pour upgrader niveau 2. On va passer au niveau 2 aussi celui-là. Très, très, très chaud déjà. Là, je suis déjà bien en galère alors qu'on est qu'au niveau 4 sur 7. Il y a 7 vagues. J'ai encore un mec qui est passé. Regardez, je suis à 14 points à présent. Donc, ça passe encore et encore. Ça ne ralentit pas assez. C'est la galère de ouf. J'ai beau... Franchement, pourtant, ma stratégie, elle me paraît pas mal du tout. Hein. Là, moi, je la kiffe, je la trouve bien, je la trouve propre. Et pourtant, on voit bien, elle est toute naze. Parce que si elle fonctionnait, j'aurais pas ce genre de problème. Il va falloir que je croise au niveau des tourelles qui ralentissent. Le problème vient forcément du positionnement de ces tourelles. Enfin, je vois pas d'où il pourrait venir. Je vais attendre de monter à 552 pour en augmenter une. C'est beaucoup, beaucoup de points. 552. Voilà, la sphère est plus grande. Il y a les petits qui se font ralentir là. Est-ce que j'augmente la seconde aussi? Bon, on va partir sur d'autres tourelles augmentées. Celle-là, celle-là, 12. Vous voyez, ça continue de malheureusement passer. J'arrive pas à réussir. Ah, mais je me suis trompé. Je me suis trompé, regardez, je pensais avoir augmenté la tourelle qui ralentit, mais j'ai augmenté le laser. Alors déjà, si je fais des erreurs de clochard comme ça, 552, c'est sûr, ça ne va pas aider à réussir le niveau. Très tendu, est-ce que je vais au moins réussir à le passer ou même pas? C'est ça la grosse question. Il faut augmenter les dommages des tourelles qui font de la zone également. Parce que sinon, ça monopolise les lasers. Les lasers, ils sont tous, non, ils sont pas tous niveau 4. Sur cette zone-là, on est en x5. Je pourrais monter celui-là, par exemple. Ça serait pas mal. Je vais pouvoir monter celui-là également. Vous voyez, j'ai encore deux petits spots hein, au nord qui sont libres. Je peux monter celui-là. Il va falloir que j'en fasse ceux-là en niveau 4. Donc, je peux en passer un ici en niveau 4. Bon, je gère un petit peu plus. Hein, mais la petite erreur de monter le laser en niveau 5 au lieu de monter la tourelle qui ralentit. C'est une petite erreur de Mongol là. Et franchement, même s'il est balèze et qu'il fait le taf de ouf, hein, le laser du niveau 5, je pense que je peux la payer très cher cette erreur. Alors là, ouh, même le boss là, il rigole pas. Le boss, on dirait, il est même pas ralenti le truc.
il va falloir que les lasers le dégomment. Il va monopoliser tous les lasers. Et je vais pas réussir à le tuer. Je vais pas réussir à le tomber. Et le boss va passer. Et évidemment, s'il passe, hein. Ah non, il est passé, mais j'ai quand même réussi en une étoile ce niveau-là. Très, très, très chaud, les amis, pour un premier essai. Il va falloir que je me penche et que je réfléchisse à comment réussir en plus d'étoiles cet essai-là. On va revoir ça. Je vais travailler avec vous. Regardez vos conseils sur Discord et dans les commentaires. Et on ira voir aussi. J'irai voir quelques astuces. Et on va essayer de le refaire ensemble. D'ici là, je continue de monter de niveau pour réussir le 16 et le 17 en 3 étoiles. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Age of Origins.